Pas trop abusé sur les mises, parce que vu le sol restant. Quand même, faut avouer que sur le casino, j'aurais survécu quand même sur pas mal de machines. C'est-à-dire que des fois en 2-3 jeux on termine à 0, puis là c'était quand même pas trop mal. Alors on n'est pas encore à 0, peut-être on va se taper une remontée, bon bien sûr c'est jamais garanti. Là, avec des mises de même pas 20 balles, ça dégringole sévère. J'ai 3 scatters qui peuvent sortir à chaque instant comme jamais au cours de cette partie. La troisième. On avait tout cramé la moitié du sol, enfin pas encore mais presque. Alors, pourrait-il nous pondre un big win, des free games, quelque chose? 14 balles la mise. Des jolies spins à l'horizon. Celui-là pas trop mal. Premier big win. 147, c'est que des mises à 14. Les free games sortent, même si ça paye 1x100 par rapport à la mise, ça fait 1400 balles. C'est pas une remontée extraordinaire. Déjà les fois 100 c'est hyper rare, donc on va le voir ici. Ah pas mal, 944. Très joli. Je remonte à 1008. On a eu une petite opération au renflouage du solde. Alors, ça c'est pas mal également. On repart en bénéfice, parce que j'avais commencé à 1009. Bon, là on a 2100, petit bénéfice. Bon, pour des mises à 14, c'est franchement pas mal. Encore à 194. Eh ben, tant mieux si on se tape une opération renflouage, mais bon la partie n'est pas finie donc ça va peut-être rebouffer les wins. Enfin ça va peut-être enfiler encore plus ou les rebouffer, on verra bien.
vrai que ce jeu il est pas trop mal, Mystic Fortune Deluxe, mais bon, c'est une machine à sous comme les autres, quand elle paye que dalle, elle paye que dalle. Alors, 288-2004. Par contre, là, je me méfie, je préfère rester sur 10 à 14 balles. Joli score, un petit boost de 600 balles jusqu'à présent pour la balance. Les 3 scatters, on est bon. Trois chances pour avoir le troisième, trois chances bordel, deux chances à la ramasse et trois chances à la ramasse. On aura foulé, mis à part les free games, si vous nous rebalancez un bigule sur le jeu de base, je suis pas contre. Si la balance redégringole à 1990, ça aura bouffé le petit bénef. Bon, ce sera pas la première fois que les machines à sous. Les 3 scatters entre temps serait pas mal, et bien sûr, le Père Noël n'est pas là tous les jours. Le retour aux sources, 1990. On va retenter, hop, 1960 à mise. Que le jeu paye un peu, parce que si on repart comme en début de partie, ça va vite dégringoler. On se retire que dalle. On n'a pas retrouvé le chiffre 2 temporairement. Troisième bordel qui est pas là. Il va montrer sa tronche, un de ses 4. C'était fait des glimes, on a fait une jolie remontée, là on va voir si ça redescend ou si ça remonte. Pour le moment ça redescend progressivement. Je crois que je vais remettre les mises à 14 balles, pas trop longtemps. Big win a plus, bonus à pas. Dommage, après la remontée et la redescente,
game, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors 14 balles la mise. Sans deck, pas troisième, il aurait pu, mais non. L'option bigu sur le jeu de base, pas non plus. 388. Qui paye pas, mais des fois c'est très souvent le qui paye pas consécutif. Allez, c'est parti, après être remonté au-dessus de la barre des 2000, on va redégringoler au-dessus de la barre des 1000. Le troisième bordel, eh ben sans déconner, bon, après ça on se casse direct, donc on a 1100. Allez, free game, Visioker à l'attaque, espérons que ça va nous tester en 2 ou 3 exemplaires ici. Final, ouais, 188. Des mises à 14 balles, donc c'est pas les mêmes wins que si c'était des mises à 50 ou 60 balles. Mise joker, double ou triple, non. Dernier spin, que dalle. Et on a gagné 220 balles, pas grand chose. Ouais, 1300 balles. Ouais, je pousse un peu la partie, il m'arrête de partir à 1000 balles, donc j'imagine dans pas longtemps, sauf miracle. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, ben, je crois qu'après ça, on va rester là quand même. 553, on remonte à 1008, donc ouais, quand même, on va limiter la casse. Ah, merci, au revoir les mystiques fortune de luxe. Pas évident, il y a eu des hauts débats, mais au final, on se sort pas trop mal. J'avais commencé à 1990, on termine à 1008, donc ça limite un peu la casse.